Madame les Dorex, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, une belle surprise. On est là à Gerland pour partir pour Marseille, la finale de la Challenge Cup avec Patou qui est juste derrière qui nous attend. Et toutes les animations autour, la fête ce soir pour la remise du trophée et demain sur les terreaux. Enfin, s'il y a victoire, allez, bye bye, à tout de suite pour les meilleurs moments. Patou. Victoire du Loup dans le temps réglementaire 11-5. Bah, madame, une petite supportrice du Loup, un petit prono. Bah, victoire du Loup, obligé, hein, on va les éclater, je sais pas combien, mais sûr, ils vont gagner. Merci. Alors, messieurs, un petit prono. Alors, victoire du Loup, on va dire, allez, 4 essais, 4 essais pour le Loup, 3 essais pour Toulon. Moi, je dis victoire du Loup. Non. 19-17. Ah oui, tu joues carrément voilà. Le chrono. Bah écoute, on verra, on espère en tout cas. De toute manière, allez le Loup, que la victoire, on s'en fout. Ouais. C'est juste la victoire et le trophée. Exactement, allez le Loup. Alors, supporteur, un prono. Le Loup qui gagne, évidemment. Avec des bons pénalties, des bons pénalités marquées par Léo Verde. Évidemment. Victoire du Loup ce soir, 25-10. Ah bon, on l'espère. Merci. Bon match, c'est pas le match. Voilà les amis, voilà dans le vélodrome. Voilà les armes de la route. Marchand. Marchand. Avec le 3 international français, Papa. Papa. Jean-Luc Capoulou. Il portera le 5 international français. Papa. Papa.
On a 18 minutes le coup d'envoi alors. L'ambiance elle monte. Ouais, c'est chaud. Et tout à l'heure les joueurs, elle était belle hein. Bon, on gagne hein. On sera rappelé d'il y a 4 ans et 9 jours. Mais là c'est au Vélodrome. Et le stade, t'en penses quoi, il est beau ou pas? On croit si l'on décide, mais pas mal. Nigernan. Récupéré par les Lyonnais. Allez, les chandelles de l'ouvreur international. Qu'est-ce que t'en penses?
la mi-temps, t'en penses quoi? On va se lever parce qu'il fait chaud. T'en penses quoi, Patou? Ah, c'est pas mal, c'est dur. On va gagner? Ça va être dur, ça va être dur. Et l'arbitrage, t'en penses quoi? Normalement, il y a 17-7. Et les buteurs, de chaque côté. Dis donc. Voilà les amis, c'est la mi-temps dans l'Orange Vélodrome de Marseille. On nous mène 10-7. À tout de suite. Pour la semaine. C'est la double peine, monsieur l'arbitre. Carton jaune, et c'est pénalité. Je crois qu'il y a de la peine. Allez, voir, tu ne peux pas. Allez, il y va. Il y va. Il y va. Comme ça, on a deux, trois essais transformés d'écart. Pas encore. Mais oui, Julien, il est meilleur, Julien, que sera. Ah, Julien, va marquer. Va marquer, Julien, s'il te plaît, marque un essai, s'il te plaît. Sacré champion d'Europe. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah c'est super. Premier titre majeur depuis 33 par la Pro D2. Et puis, pense à la semaine prochaine. D'abord les terreaux demain et puis la fête ce soir. Ah non, pas trop la fête. Les terreaux. Faut battre la Rochelle. Bon, qu'est-ce qu'on dit à Grégory Doucet qui se prépare? 2002 European Challenge Cup winner is...
pa la pa 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 la pa 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 Tes supporters sont là. Allez, le loup, tes supporters sont là. Au contraire, on fait du bruit. Ouais 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 ouais. Moi, j'ai une minute de bronca pour la défaite des Toulonnais. Une minute de quoi? De bronca, de sifflet. Ah ouais. Allez. Allez, 1, 2, 3. Ouais ouais. Merci Toulon, merci Toulon, merci, merci, merci Toulon, merci Toulon.